Alors, on va voir la façon la plus simple de faire un visage. Donc en fait, moi je prends un carré et puis je vais tracer le milieu comme ça. Voilà. Et ce milieu-là, j'en fais un autre carré. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est prendre ça, et puis voilà. Et du coup, normalement, oui, ça marche pas bien. Ça va être un petit peu plus comme ça. Si, c'était bien. Ouais. Parce qu'en fait, ce carré-là, c'est celui-là. Voilà. Et donc, en fait, on a un carré, puis le milieu et un autre carré. Ce qui nous fait 1,5, 1,5. Et une fois que j'ai ça, eh ben, dedans, je vais dessiner une tête. Donc, un œuf, un ovale. Voilà. Et puis, à ce moment-là, je vais prendre la moitié. En fait, ça va être là. Et je vais avoir mes yeux qui vont être sur cette ligne-là. Et puis, pardon, cette moitié, donc de là à là, on est de là à là, je vais la diviser encore par deux. Et je vais trouver mon nez. Alors, c'est des mesures génériques, hein. On est bien d'accord que ça va changer à chaque personne. Mais à chaque fois, justement, on regardera notre matrice comme ça et on dira, bah tiens, lui, c'est pas au milieu, c'est un petit peu plus, un petit peu moins, etc. Et j'en profite pour avoir, donc là, je vais avoir l'attache de mon oreille et puis ça va remonter un petit peu et ça va descendre jusqu'au nez, en fait. Et donc, mon autre oreille, ça remonte et puis ça va redescendre jusqu'au nez. Voilà. Mes oreilles, à chaque fois, elles sont comme ça. Donc là, j'ai la moitié. Là, j'ai la moitié, la moitié. Puis je vais encore diviser par deux pour avoir la moitié, la moitié, la moitié. Donc la moitié et le quart, un huitième, on est bien d'accord. Un petit peu plus bas. Et là, je vais avoir le bas de ma lèvre. En fait, on a nos lèvres qui sont comme ça. Et là, c'est le bas de ma lèvre. Donc ce truc-là, c'est le bas de ma lèvre. Donc après, j'ai plus qu'à faire ça. Pouf, pouf. Voilà, et j'ai mon truc. On va se le faire en rouge, les points de repère. Ah oui! Donc le point de repère là, le point de repère là, et le point de repère là. La moitié, la moitié, la moitié, la moitié, la moitié, la moitié. Et puis, toujours, la moitié, la moitié, la moitié. Ici, pour le menton. Et donc, alors, les gens n'ont pas tout à fait le même menton, mais en gros, c'est voilà, le début du menton. Et ça nous permet assez rapidement, surtout sur des petites formes, de faire à la moitié, je vais avoir les yeux, juste au-dessus, je vais avoir les sourcils, à la moitié, je vais avoir le nez. Et puis la bouche, elle va être juste au-dessus. Et puis voilà. Et du coup, on va avoir quelqu'un qui va être fait très rapidement. Et après, bien sûr, on met les cheveux. Ouais. Alors, sachant que là, il va y avoir les cheveux. Et les cheveux vont être à peu près aux deux tiers supérieurs. Donc voilà, tout ça va être les cheveux. Et vous voyez que là, on a très vite quelque chose qui tient à peu près la route. Donc, n'hésitez pas à en faire pendant 5-10 minutes tous les jours. Pouf, pouf. Et puis, alors là, je l'ai déjà incliné. On verra ça après. Et vous voyez que, ah bah oui, ça marche. Et après, on n'a plus qu'à. Donc là, il va avoir un peu plus de cheveux. Hop. Une oreille, une autre oreille qu'on voit pratiquement pas.
D'accord. Donc, voilà, le rond qui fait 1,5 en fait, un carré et demi, et puis au milieu, le milieu du milieu, le milieu du milieu du milieu, et puis on refait la bouche si jamais on en ressent le besoin, et puis le 16e pour avoir le... Voilà, et ben c'est tout. Maintenant, il faut pratiquer. Faites-moi plein de petits personnages comme ça. Rien ne vous empêche de faire même une ligne de personnages, une portée de personnages avec la moitié, et puis la moitié, la moitié, et puis la moitié, la moitié, la moitié. Si vous n'y arrivez pas assez rapidement comme ça, on fait voilà, une ligne avec pouf, 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 pouf. Tout simplement parce que ça va nous apprendre, ça va apprendre à notre main, sans qu'on ait besoin de raisonner, ça va apprendre à notre main la façon de. Donc peut-être qu'on peut même faire des visages un petit peu plus larges que ça. Brachycéphale, dolicéphale, hein, vous connaissez, c'est des gens avec un. Alors, les brachycéphales, ils vont être dans un carré. Donc, typiquement, les populations mongoles. Et puis, les dolicéphales, ils vont être comme ça. Typiquement, les Scandinaves, les Écossais. On est en plein. Voilà. Et eux vont être. Voilà. Donc, brachy large et doli long. Donc voilà, une portée, 2 fois par jour, 3 pilules, voilà, c'est la prescription du docteur Tanzin.